J'avais proposé un sketch sur le Cotentin, parce que c'est une région que j'aime bien, le Cotentin. Bon, je connais pas, mais dans l'idée, j'aime bien. Ce matin, après une bonne blague de Thomas, Yacine a dit qu'il était mort de rire. En fait, il mentait, il était vivant. Tant pis. Il y a mon ordi qui a fait une correction automatique, trop marrant. Il a remplacé Yacine Bellatar par Bassine Bellatar. C'était drôle. Je trouve que ça sonne bien, Cotentin. Cotentin, on a envie de se pelotonner comme ça dans le Cotentin. Est-ce que ce serait pas mieux finalement si on tournait toute l'émission en anglais? Genre, voire en américain, quoi. Là-bas dans le Cotentin, je te jure, mon amour, je ferai tout pour que nos baisers durent toujours. Et moi, j'aime bien Souchon. À un moment, Yacine s'est cogné, il avait vraiment mal, il avait vraiment l'air de souffrir. Du coup, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, j'espère que t'as bien mal. J'aime bien le taquiner, Yacine. Ceci est un message personnel. Je voulais m'adresser directement au petit enfoiré qui est parti avec le chargeur de mon ordinateur portable. Tu vois, par exemple, tu prends Michel Leeb. Le mec, tu le transposes en américain, c'est un génie. Alors que là, Michel Leeb, c'est... Michel Leeb, quoi. Crève, bâtard. Parce que Souchon, bon, bah, c'est vrai, il a une grammaire. C'est important, je veux dire, on reconnaît tout de suite quand c'est du Souchon. Et moi, comme je suis un peu auteur, du coup, j'aimerais bien qu'on me dise un jour « Ah tiens, on reconnaît, c'est du Nicorou », comme on dit « Ah tiens, on reconnaît, c'est du Souchon ». Crève. Mais en fait, comme personne n'avait d'idée de sketch sur le Cotentin, on n'a pas retenu mon idée. Je trouve ça dommage.